On va mettre ça là. Ici, là-dedans, là. C'est pour l'embrayage, en fait. C'est quand tu passes les rapports que ce soit dur. Et après, on remontera le moteur avec du papier joint et tout ça. J'avais arrivé hier, putain. Voilà, vous poussez comme ça. Mettez cette rondelle là. Poussez comme ça. Ça, tu mets ton ressort comme ça. Hop. Ça va partir. Hop. Ouais. Regardez bien si c'est bon comme ça. Et comme ça, quand tu passes les vitesses, hein. Ça sent là quand on braille, hop, hop, ça bouge. Et voilà. On a remonté la boîte à vitesse de la dernière fois, tout ça. Là, ce qu'on va faire, on a mis le papier de joint, tout ça. Là, on va remonter les carters, on va visser et on va faire la suite de tout ça, tout ce qui monte à embrayage et tout ça. Allez, à tout de suite. Et déjà, de ce côté, on y voit mieux, je trouve. Là, on prend le maillet. Ça rentre tout seul. Attends, hop, ouais, vas-y. C'est bon. Là qu'on a fini de retaper tout ça et dessus, maintenant on a placé toutes les vis sur les carters, tout ça. On l'a fait avant pour éviter de perdre du temps. En vidéo, je veux dire. Et là, on va resserrer maintenant, une par une. Alors, on va mettre les vis comme ça. Tu veux le mettre comme ça ou... Bon, coucher, t'es bien comme ça. Ah ouais forcer. Ouais, pour forcer, c'est mieux. D'accord. Sinon, tu vas se casser les couilles à forcer comme des coups. Ouais. T'avais une piste, mon gars, tu risquais pas de te faire niquer par les Schmitt. Bah ouais. Là, on va mettre ces petites rondelles. Ah, par contre, je voulais dire, si vous avez une petite clavette là, faut que vous la mettez ici.
si vous l'avez enlevé au niveau du vibroquin. Alors maintenant on va mettre ça pile poil en face. Attends. Ouais, je fais une connerie. C'est de ce sens. Là, vous le serrez comme ça, vous tapez un peu au maillet. Là, ce que vous faites, vous prenez le boulon, vous le serrez. Vous le serrez. Ah, c'est pour que ça tienne. Après ça c'est bon. C'est ce qu'on va faire. Ouais. Vous mettez une petite rondelle ici. Voilà. Hop. Vous mettez vos petites clips, la petite clip qui est là, là ce que vous faites, vous prenez une pince, vous le serrez comme ça, ah peut-être pas comme ça avec une pince avec. Vous le retendez pour que ça s'en aille pas en fait. Ok, ça c'est bien. Alors on va commencer par l'embrayage. Ouais, vous prenez la petite rondelle qui est là et vous la mettez dans l'emplacement. Hop. Après, pareil pour ça. Et vous mettez ici. Hop. Faut mettre l'accélérateur de vitesse. Vous le mettez comme ça. L'accélérateur. Après. Vous mettez votre bague qui est là. Votre rondelle qui est là dedans, hop, tu mets ça comme ça, hop, vous mettez la petite rondelle là.
faire rater, compresseur. Par contre, 609, vous les mettez dans l'huile au moins une heure, et après vous pouvez les mettre. Hop. Alors par contre, vous enlevez les vis qu'il y a dedans, tout ça, parce qu'il y a un sens en fait, au niveau de la cloche et tout ça. Bon, bah, par là, si vous le mettez n'importe tout, ce qui a un sens. Par exemple, là, il est pas bien mis. Vous voyez, il y a du jour. Non, c'est pas ce sens. Vous voyez la différence? Là, vous mettez au ressort. Et voilà. Voilà, ça c'est beau. Bon, il manque plus que le clic en fait, du coup. Alors, le clic, j'ai toujours un peu de mal à le mettre. Et là, ce qu'il y a pas, c'est il vous faut une pince à bec pour tirer le ressort qu'il y a dessus. Pour que ça revienne quand vous cliquez. Alors. Attends. Ah oui, ça touche comme ça. Okay. Là, on a un clic après. Là, vous mettez votre clic. Attends. Hop. Ouais. Regardez si ça revient. Hop. Là, vous prenez votre clic. Et voilà. Là, c'est mis tous. Là, c'est bon, là, c'est bon. Ah oui, il y en a une. Il y en a une autre ici. Ça c'est bon. Ah, une ici. Ah putain, pourquoi je vais faire pour visser hein. Ah bah je vais être obligé de la faire à la main parce que je brûle. Et voilà la dernière.
pas être la dernière, mais là, attends.